Bonjour à tous. Théoriquement, le stream devrait être lancé. Mute le son. Alors, normalement, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est lancé. Bonjour à toutes et à tous. Je sais pas si on m'entend. Alors, je vais vérifier. Donc, ça va peut-être faire un peu de bruit. Excusez-moi. Toutes et à tous. Ouais, c'est bon. Du coup, on est parti aujourd'hui pour du Roblox. Alors, pour ceux qui ne savent pas pourquoi je dis que c'est la dernière fois que je vais sur Roblox, simplement. J'ai une chaîne YouTube. Alors, je sais pas ce que c'est en train de me faire. C'est un bazar de câbles. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne YouTube. Oui, j'ai une chaîne YouTube. Sur laquelle il y aura la rediffusion de ce live. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc, simplement, j'avais l'habitude de faire des lives en ce moment qui est changé entre Minecraft, où j'allais sur des serveurs, les serveurs que j'ai dans mon Minecraft, et du Roblox, où je faisais des mini-jeux. Et donc, en fait, j'ai fini tous les serveurs qui étaient intéressants à faire en live pour Minecraft. Du coup, je vais arrêter un peu Minecraft sur ma chaîne YouTube en live pendant quelques temps. C'est mon dernier live Roblox pendant quelques temps également. Et après, eh bien, quand j'aurai arrêté donc les lives, il y aura d'autres jeux qui viendront à part Roblox et Minecraft, notamment FR 2010, la suite de la carte d'Antonin 1, et puis d'autres jeux. Et donc voilà. Alors du coup, on va commencer par un peu de Pet Simulator. Donc c'est un jeu que Nibla a testé et ça avait l'air assez sympa. Enfin, après, il y a aussi Biswarm que j'aimerais beaucoup essayer, mais voilà, là c'est le dog évidemment. On va l'appeler Fluffy. Submite. Voilà. Fluffy, pour ceux qui savent pas, c'est le chien que j'aimerais avoir plus tard. Qu'est-ce que ça me fait? Ah, voilà. Donc du coup, le but de ce jeu, eh bien, c'est d'avoir de plus en plus d'animaux et de ramasser de plus en plus d'argent. Voilà. Et donc pouvoir accéder aux zones qui permettront d'avoir plus d'argent et donc que ce soit plus facile d'avoir de l'argent, quoi. Voilà. Tout simplement. Alors je sais, Biswarm est mieux, mais bon, voilà. On commence par ça. Voilà, je vais commencer par ça parce qu'après on allait faire Biswarm et Biswarm ça aurait été bah, je pense que ça nous aurait pris pas mal du live et on n'aurait pas pu tout faire en fait. Ce que je voulais faire, sachez que Biswarm, on va pas tout faire le jeu. J'ai vu une vidéo de Furry Jumper, bon, c'était assez mouvementé. Donc le but pour passer au niveau supérieur, c'est d'avoir 25 000 coins. Donc pour ça, plus je vais avoir de l'argent, plus je vais pouvoir acheter des animaux qui pourront faire plus vite de l'argent et je pourrai. Et ce sera mieux pour moi, quoi. Hop là. Bon, c'est. Je pense que ça va devenir assez chiant vite. Voilà.
Fluffy a augmenté. Oh, après on ira le mettre sur celle-ci parce que ça nous fera vachement d'argent. Je suis dessus, donc ça veut dire qu'elle est à moi. Utilise. Hop là, merci. Viens prendre ça. C'est pas moi qui ai eu l'argent. Pardon. Allez, fais-nous de l'argent, petit chien. Tac. On va lui dire de ramasser ces deux pièces-là, puis après, je vais voir combien ça coûte un autre animal. Quoi, donc ici, c'est mes animaux. Voilà. On va prendre celle-ci parce qu'elle est assez grosse. On va aller voir combien ça coûte un nouvel animal. Oh yes, il y a une belle liasse là. Viens prendre celle-là. Alors, combien ça va coûter? Bon, bien sûr, on peut acheter de l'argent, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Je vais voir les œufs de créatures. Mon dieu, le prix. Donc ça, c'est tous les tiers. Donc, ça, c'est comics. Il est lent. On dira de prendre celle-ci et puis après on lui dira de venir prendre la liasse qui est là. Nibla, pour info, là il est après ça. Non, il est au bleu. Donc il y a deux niveaux de plus que moi quoi. Hop là. On peut aller là-dedans. C'est tout pourri. C'est littéralement un truc qui n'a pas de collision. Bon, est-ce que ce serait bien qu'il y ait un petit coffre en fait? Vas-y, prends ça. Il demande de prendre celle-ci et puis les trois qui sont là. Vas-y mon petit, vas-y mon petit Fluffy. Il est trop chou. Allez. Voilà, donc ça me fait. Oh, j'entends un autre animal, un autre rival. Il y en a plein. Oh, c'est mes pièces. Vite, la forêt est plus rapide. Zou. Ah, parfait, j'ai plus de 100 pièces déjà. Allez. Est-ce qu'il y a d'autres pièces? Il y a d'avoir un mini-coffre. Oui. Oui, viens, il y a un mini-coffre. Ah, regardez. Zit! Là, on a tous vu le mini-croffre. On va pouvoir se faire un max d'argent. Le problème, c'est que ça va prendre un peu de temps, mais c'est pas grave. Après tout, on a du temps devant nous, j'ai envie de dire. Ouais, mon frère, il est au truc bleu qui est là-bas. Enfin, nul là. Bon, mon frère. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres liasses? Non, il n'y a pas l'air d'avoir de. Ouh, si, là-bas. C'est mon coffre. Ouais! Vas-y, prends ça, on va vite aller voir l'alias.
peut-être qu'on puisse pas courir dans Roblox parce que ça sera utile. Ok, allez, allez, on va voir l'alias. Parfait. On a l'alias. Par contre, notre ami est un peu loin. Ok. C'est bon. Je vais acheter un petit truc. Alors, c'en est où ? Oh mon dieu. C'est une grosse pièce. Ah, je suis content, alors on a eu un petit coffre. Allez, c'est bon, il a bientôt fini. Donc il y a cette pièce là qui a l'air d'être ouf, donc on va pas oublier de la prendre. Et je regarde s'il n'y a pas d'autres liasses. Ouais, il l'a eu. Vas-y. Prends ça. Si. Ah bah. Non. C'est pas des liasses. Oh, il y a une pièce plutôt énorme là. Donc on va la prendre. Vas-y, viens là. Attends, je regarde toujours s'il y a des petites liasses. Ah, il y a un coffre. Il y a un coffre. Non, stop, stop. Stop. Stop, stop, stop. Le coffre. Le coffre. Le coffre. Le coffre. Ouh. Là, ça risque d'être long. Et bon, pour tout l'argent que ça génère, on va pas s'en plaindre. Ouais. Non, tu ne prendras pas ce coffre. Mais lui, mais il est énervant. Ça fait deux ou trois fois qu'il me prend le coffre. Hop là. Ça là, il y en a trop. Ouf. Prends celle-ci. Ça. Oh putain, vite. Vite, vite, prends ça. N'y a-t-il pas un petit coffre? Non, ça n'a pas l'air. Et je suis seule. Je me sens seule. Alors, il y en a 258 millions. Mon Dieu! Vas-y, viens prendre ça, mon petit. Attends, non, je regarde aux alentours. Pour voir s'il n'y a pas de liasse. Non, bon, pas grand chose. Ok, prends ça. Donc ça fait 15 minutes, rien, là déjà rien qu'on est sur ça, hein, donc
Super intéressant. Et pourquoi je... J'ai l'impression de pas gagner d'argent, c'est chelou. Si c'est bon, j'en gagne. Alors vraiment petit peu par petit peu. Hein. Oh, yes. Ok, vite, on va se dépêcher pour pouvoir aller chercher la liasse. Vite, prends ça. Et tu prendras ça. Il n'y a personne qui est là, donc c'est cool. Ça permettra d'avoir... Yes. Alors j'espère juste que ça ne disparaît pas. Vite. Il n'y a personne avec moi, donc c'est cool. Donc ça veut dire que j'ai peu de chance de me la faire voler cette liasse. Ouais, ok. Viens prendre ça. Et la liasse est toujours là. C'est cool. Il y a trois liasses. Alors là, les gars, je prends ces trois pièces-là et on va vite se faire les trois liasses qu'il y a. Les quatre même, il y en a quatre. Là, les amis, on a touché le jackpot. Vite. Vite, Fluffy, t'es un bon chien. Et vite, maintenant on va direct sur la liasse. Il y en a 4 les amis, on se met trop bien là. C'est bon. Allez vite, non, sur celle-là. Attends, je vais les sécuriser à la prochaine. Hop là. On regarde s'il n'y a pas un coffre, mais je n'en ai pas l'impression. Après ces 4 liens, je pense qu'on arrêterait, qu'on essaierait de gérer. C'est Biswarm Simulator. Et en plus, c'est qu'il n'y a personne qui va pouvoir voler la thune. Donc, on va jouer une bonne heure et demie, hein, comme d'hab. Comme le dernier stream. Une bonne heure et demie. Nice. Allez, viens prendre ça et je vais sécuriser la dernière liasse pour aujourd'hui. Sauf s'il y a un trésor qui apparaît, mais ça m'étonnerait. Sympa, très relax, franchement. Ce serait une superbe musique, genre de vidéo ASMR en fond. Ouais, d'ailleurs, j'ai fini Super Mario Bros 1 avec la mignonne, donc j'étais légèrement énervée après le week 4. Du coup, je suis allée mater un ASMR. Mon dieu, que ça m'a détendu. Ça a failli m'endormir, quoi.
Ok. Ça a fait peur là le bruit, je vous avoue. Est-ce qu'on peut aller dans la fontaine d'argent? Oh bah c'est dommage qu'on puisse pas les récupérer. Hein. Sinon, je pense qu'il y en aurait plus aujourd'hui. La hitbox est complètement buggée, je touche absolument pas le bout du machin. Écoutez, on va se terminer là pour le pet simulator. En tout cas, pour l'instant, bon, je continuerai peut-être de mon côté. Pet simulator, en tout cas, c'est amusant mais répétitif, clairement. Du coup, Biswarm. C'est celui-là. Biswarm Simulator. On va voir ce que ça donne. Alors. Collecter du pollen, enfin bref. Je vais juste. S'il vous plaît. Non, je vais couper la musique, les amis, parce que sinon. Hop là. On va les prendre là. Voilà, alors. On va. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Open the egg menu and drag the egg to the honeycomb. Alors. Excuse-moi. Egg menu. Ah cool, on a basic egg common. Ok, donc on a une première abeille. Maintenant on va devoir choper du pollen, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, on doit choper du pollen. Hop. Ok, et le revendre au capitaliste du coin. Ah, c'est passionnant comme jeu, hein. Open shop, c'est le shop, ça. Non, moi tout ce que je veux, c'est... Ça n'a pas été vraiment pensé pour la mettre. Ce que je veux, moi, c'est qu'est-ce que je fais du pollen? C'est ma question. Make honey. D'accord. Pas compris. Vas-y, continue. Honey, c'est quoi? C'est du miel. Ouais, ça c'est du miel. Et donc le miel, il fait que... Est-ce que je peux en common une autre? Non. Alors du coup, je suppose qu'il faut que j'ai des œufs. J'ai 200 de miel. Alors peut-être que les œufs, ils vont s'acheter... je peux aller. Non. Ah si, open shop. 500 tickets. En tout ça, faut des tickets. Donc non. On va aller voir au shop là-haut. Oui, ma petite abeille, elle est là. Ah, faut 22 abeilles. Oh putain. Faut que je trouve. Fais voir ce shop là. Non, ça faut 1000 de miel, donc ça c'est nope. Ça c'est instant converter. Ok. Là il faut 5. On va prendre du pollen, hein, vous savez quoi.
On va remplir notre sac. En fait, le jeu, ça se résume à trouver du pollen et marteler la touche RT. En tout cas, quand t'es sur Xbox ou PC à la manette. Donc, ça nous donne 6 tickets. Là, on a une fronde. Et on a encore plus. Naise de toi. Oh. A fait peur. Bon, du coup, on va retourner, make de. Du miel, hein. Allez, dépêche-toi. Sois pas feignante. Il me semble que là, c'est la machine à œufs et il me faut 1000 de miel, si j'ai bien compris. Passionnant. On y retourne. J'aimerais savoir où est-ce qu'on achète les sacs sinon parce que bon. Ça risque d'être un peu énervant. Voilà. Make honey. Si je fais 200 par truc, il faut que je fasse 5 allers-retours. Oh mon Dieu. Ça a l'air d'être aussi intéressant, franchement, que le Pet Simulator. Donc, c'est-à-dire une note de approximativement 6 sur 10. Ah non, ok. Ok, je crois qu'elle avait fait moins de pollen, enfin de laine, de miel que d'habitude. Et zou, on y va. On reprend du pollen. Pourquoi il y a 2 plus 2? Je ne sais pas. Parce que ça ne se génère pas de. Je sais pas. Ah, c'est peut-être en rapport avec la fleur. Ok, j'ai compris. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'elle fait dans sa ruche? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Come on, viens. Voilà. Allez. Fais du miel, s'il te plaît. Elle a de l'énergie. Ou alors c'est la vie, je sais pas. Allez, dernière aller-retour et on aura pour avoir une nouvelle abeille si j'ai bien compris. C'est cool. Voilà, ça y est. On va pouvoir faire une
dernière fois, elle est où mon abeille? C'est celle-là. Du miel pour pouvoir avoir un nouvel œuf, si j'ai bien compris. Et donc, quand on aura une armada, on pourra aller vaincre des ennemis. Donc, faites voir. On va tester. Open shop. Ok, donc c'est... Hop là, pour avoir un nouvel œuf. Et donc après, les œufs suivants, je ne sais pas, faut sûrement les avoir et bien avec des tickets. Et pour avoir des tickets, je sais pas s'il faut payer avec du vrai argent. On va en mettre une ici, on va essayer de remplir le bas. Come on! Yes, on a deux fois plus pour faire. Bah non, on va pas pouvoir faire. Il est là le shop, donc peut-être que c'est ici qu'on peut avoir déjà, je pense, une meilleure pelle. Ouais. En effet, je suppose que ça coûte ça aussi du miel. Faites voir. 50 fois. Ok. Et donc, les pelles. Là, il en faut 1150. Je pense que là, on va surtout se concentrer. Notre prochain objectif, donc c'est 650, je crois. Et pour avoir du... un sac plus qui aura plus de contenance, comme ça on pourra avoir plus vite du miel, et donc plus vite on pourra avoir un nouvel œuf, et plus vite on pourra aller combattre des ennemis. Salut Romain Ricknaf, bienvenue à toi sur le stream. Hop là, n'hésite pas à t'abonner, à aller voir ma chaîne YouTube Fan Bateau 17. Je joue aussi à Roblox. D'accord, cool. Bah, si tu veux, je t'ajoute en ami et puis tu me rejoins. S'il y a de la place. Bon, on va faire autre chose. Comme tu veux. Enfin, si tu veux que je t'ajoute en ami. Hein. Allez, allez-y. Ah ouais, ça fait vachement plus vite du miel. Romaric, ouais, d'accord. Deux secondes, j'essaie d'avoir le nouveau sac à dos et puis je vais t'ajouter. Non, j'ai pas Discord. Ni TeamSpeak, ni Skype, j'ai rien de tout ça malheureusement. C'est toi qui as follow Romaric Knaf. Merci à toi pour ton follow. Allez, ouf. Faisais du miel. Abyss World Simulator. Ouais, bah écoute. Ouais, bah je t'ajouterai après. Juste après, donc dès que j'aurai atteint, je crois, 650, donc en gros la pro dans deux ramassées de pollen. Oh, c'est quoi? Oh, vas-y, je prends. Ah, ça me fait de... C'est cool. Oh, vas-y, on prend. C'est bon, là, les amis, on a... C'est bon, je vais pouvoir t'ajouter parce que là, peut-être avoir assez pour pouvoir acheter. Ouais. Alors du coup, on va remplir notre sac une dernière fois. On va mettre du miel et on va aller acheter de nouveaux sacs. Et j'ajouterai Romary. Zou.
faire du miel. Nice. Du coup, c'est parti, vite, on va au shop. Ouais, c'est ça. Hop là. Et je pense. Non, on pourra pas acheter une nouvelle pelle. Bon, c'est pas grave. Du coup, vas-y, je vais t'ajouter. Ton pseudo, tu m'as dit, c'est Romaric 68. Romaric 68 dans les joueurs. Ah, jeté. Ah, t'es avec le blob de Hôtel Transylvanie. Voilà, ça y est, je t'ai envoyé la demande. Donc moi, c'est Funbass Odyssey, si jamais. Et on y va, on va aller s'acheter un nouveau œuf. Un nouvel œuf, comme ça. On pourra encore avoir plus de miel plus facilement. Il en faut 2500 maintenant. C'est une blague. Bon, et hop là. Normalement, je t'ai ajouté. Donc, bah écoute, t'as plus qu'à accepter. Oh, c'est un plaisir, un réel bonheur. Fifoul? Hein, quoi? J'ai pas compris. Ah, foule, d'accord, ok. Et bah. DSL, mec, ce que je vais faire juste vite fait, je vais essayer d'avoir. 2500, et si tu veux, on ira faire un autre jeu de Beastworm. Là, je commence déjà à en avoir marre de Beastworm. En plus, c'est en train de me faire super mal au doigt. Je suis en train d'appuyer comme un demeuré sur ma gâchette de manette d'Xbox. Donc, voilà, j'arrive. J'arrive. Gros Maric, FNAF, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, si toi aussi tu joues à la badette, je pense que ça va te faire très mal. Là, ça fait une bonne dizaine de minutes qu'on joue, je commence à avoir très mal au pouce. Quand est-ce qu'on est plein? Ah, on est plein, on est bientôt plein. C'est cool. Bon, théoriquement, j'aurai 2500 là. C'est parti, fête du miel. Je pense que dès qu'on aura rempli le bas, on pourra déjà aller essayer de s'attaquer. On va essayer d'aller attaquer un truc là-bas. Enfin, je pense que je pourrais. Mais ce sera pas pour ce live. Ah, attendez. Tu me rechanges, ok? J'ai pas compris. Tu peux. J'ai pas tout à fait compris là ce que tu viens de me dire. Ouais, j'ai peur de. Hop là. Parfait. Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Parce que j'ai pas compris. Tu me rechanges, ok.
a rejoint. Moi, j'aurais bien faire autre chose que du bisoir, mais bon, si tu veux. Il est sur quoi? Attends. C'est pas un jeu violent, Oh, Marie. Je vais voir. Oh là, non, 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 sûrement pas. Désolé, Romaric, mais pas de ce jeu-là. Pas de Call of Duty, pas de GTA, rien du tout. Voilà. DSL. Mais je suis pas de. Je suis pas ces jeux-là, moi. J'ai bien envie d'essayer Curse Island, si tu veux bien, Romaric. Sinon, on va faire du Epic Minigames, hein, comme la dernière fois. C'est énervant parce que toutes les bêtas à chaque fois elles sont payantes avec des Robux et évidemment j'ai pas de Robux. Et deuxièmement, ça génère souvent les premières versions les meilleures. Alors, si tu veux me répondre, Romaric. Bon, je vais lancer Cursed Island, tu sais quoi. Il me rejoindra. S'il veut, sinon, il restera sur Call of Duty. Alors, pareil, Nibla, c'est un jeu qui joue beaucoup. On met du chilling pour l'instant. Ah, c'est. Voilà. Du coup, c'est des mini-jeux, quoi. Mettre playing hein. Parce que bon, on n'est pas venu là non plus. Ouais, down, ok. Compris. J'arrive. Ah, bah, cool. Est-ce que tu es là? Je peux. Non, je sais pas si je peux descendre. Là. Je crois bien que c'est parti. Oui. Ah, te voilà. Bon, tu attendras la partie suivante. Rester sur cette île-là. Ok. Donc, il y a eu ces deux îles-là qui ont été affectées. Ok, on va changer, on va les prendre celles-là. Il y a déjà plus de 4. Hein. Yes. Et 2 qui accèdent à la glace. Ok. Ok. Tac. Alors. Tenter celle-là. On va voir. C'est celle-ci qui va pas être bonne, je pense. Oh, mais attends, là, elles vont toutes péter. Non? Ah, c'est dès qu'on saute dessus, quoi. Faudrait pas casser. Ne saute pas, s'il te plaît. C'est forcément celle-ci qui va se faire bouffer, je pense. Oula. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, non, on reste là. Yes! Bon, voilà. Down. Du coup, on est rank 2. Speedboat. Ah, c'est reparti. Tout de suite. Est-ce que tu es là? Oui, tu es là, Romaric. On va pas bouger. La technique du jeu ne bouge pas avait bien marché la dernière fois. Alors, on va voir.
on va crever. Et on n'en crève pas. Oh, il y en a qui a un trampoline. Ah, peut-être pas aller du côté de trampoline. On va aller ici, je propose. Ah, salut. Saleté. Je t'avais pas vu. Donc, tu ressembles à un Américain. En fait, tous les personnages de Roblox ressemblent un peu à des Américains. Allez, on va suivre Romaric pour cette fois. Alors, suspense, a-t-il eu raison ou as-tu eu tort? Eh, il a eu raison, GG. Yeah, on a des speedboats. What? Je m'en fiche, j'ai plus de... Ok, mince. Vu qu'il y a vachement de monde ici, on va dire... Non. Bon, on va mettre chilling. Ah, je suis sur le truc, regardez, c'est moi. C'est moi là. Yes, c'est cool. En fait, c'est les trois derniers vainqueurs. Romaric qui est là. Alors juste, est-ce que... Ouais, il me semble c'est faut que tu peux l'utiliser qu'une fois en fait. Ouais, je peux. J'en ai qu'une. Ah ouais. Oh, c'est triste. RTC, c'est triste. Fab, c'est cool. Voilà, en fait, voilà, c'est ça. Faut trouver des trucs comme ça te fait des points, Romaric. Non, c'est le mien, celui-là, c'est le moi. Oh, attends, on va faire la basic dance. On va essayer de trouver des appâts. Les amis, oui, du coup, ça s'appelle des appâts. Bon, sachez que ça va être très répétitif, Curse Island. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite changer. Bon, peut-être pas tout de suite. On va s'en faire une dernière, là, quand ils ont fini. Oups, playing, pourquoi ça ne me fait ça? On va mettre playing, comme ça on sera là pour la prochaine, quoi. Et après on changera un petit peu. On va essayer de faire voir un maximum de mini-jeux que je vous ai pas encore montré. Et qui sont assez sympas et que... C'est un... Yes, on a pas... Alors j'ai perdu Romaric, je sais pas où il est. Hop là, j'ai deux appâts. Oh, il y en a deux là, les amis. Alors là, les amis, on a touché le jackpot niveau appât. Il y en a un sur l'échelle aussi. Hop là. Et yes! On a fini cinquième, donc la prochaine partie va bientôt se lancer. Il y a un dernier appât. 5, 4, 3, 2. J'ai eu l'appât. C'est bon. Cette partie, on est téléporté. On reste au même endroit, les amis. Cette technique, pour l'instant, paye. En général, ce côté, ça se fait souvent bouffer le premier. On va voir. Yes! Ah, t'as bien fait de partir, toi, Romaric. Ok, middle, tiens. Oh! J'ai dû... Toi, t'es vraiment, mais le... Vas-y, il s'appelle comment, là? Il s'appelle Funky, c'est ça? Genre. Signaler un joueur... Funky, type d'abus... Triche, exploitation, soumettre. Ok. Bon, du coup, voilà. On va quitter. On va se retrouver pour la pro. On va faire donc
Pourquoi ça met des notifications? Sur quoi on pourrait aller, les amis? Je vais voir déjà dans les jeux de Nibla, parce que je sais que Nibla il fait plein de jeux et qui peuvent être intéressants à faire. Oh, il y a The Gamer qui est connecté. Attendez, je vais lui dire. Il est où? Ah, il y a. Non, tu ressens, il est connecté. Il est où? Joue et je live. Hop là. Oui, du coup, Nibla est où? Allez, attends, il est pas encore là. Nibla XD. C'est ça. Je peux pas avoir tous les jeux qu'il a fait. Je veux juste ces jeux en fait. Non, c'est pas possible. Dommage. Je pourrais pas avoir ces tous les jeux qu'il a. Oh, c'est crétin. Je pense que si je vais dans activité de vos amis, théoriquement il y aura pas mal de jeux de Nibla, je pense. Okadia. Je suis un peu deck pour Retail Tycoon parce que Nibla m'a supprimé ma sauvegarde en fait. Rejoins-moi. Toi encore, t'es sur quoi là? Ouais, c'est bien beau, je te vois pas. Je te vois pas. Je peux pas. Demolition Simulator. Ouais, attends, s'il te plaît. Je veux voir un truc. C'est où? C'est où? J'ai vu un jeu là. Ok, donc. Compris. Oui, c'est Speed Simulator. Il est où? Il est où Speed Simulator? Je veux voir si. Je veux voir un truc. Et après, promis, je te rejoins, Romaric FNAF. Enfin, je regarde si c'est un jeu pas trop qui est adapté, quoi. Mon Dieu, je suis lent. S'il vous plaît, aidez-moi. Du coup, je te rejoins, Romary. Oui, j'ai compris. Du coup, vas-y, je te rejoindre. Je vais voir ce que c'est. Donc c'est un jeu de démolition. On s'en fiche. Alors j'ai un marteau. On va get contract. On va avoir un contrat. Alors. Price paid. 115 dollars. J'accepte. No, c'est one building. Ok. Ok, donc on doit aller à la C1. Donc la C1 c'est indiqué, c'est bien. Saleté. Ok. Yeah, je vais démolir le pont. Non, je rigole. Du coup, c'est quoi la C1? C'est celle-ci. Où est-ce qu'elle est derrière? Non, c'est ça. Ah oui, c'est un. Ok, d'accord. Et comment je fais?
Attendez, on m'a envoyé quelque chose. C'est quoi ta chaîne? 2, 3. Comment je peux péter ça en fait? Faut que je loue une machine? Ouais. Oui, le fuel, ok. Level 1. J'ai compris, mais. Ouais, ben, j'ai compris, gros, mais. Faut que j'aille louer une machine. Une machine? Ah, c'est bien beau, mais c'est où qu'on l'a eu? Store, ah, peut-être dans le store. Jungle entre vue internet et troisième personne. Hein? Constructeur AVE. Ah, non, ça c'est. Ça c'est quoi? Non, les saletés. Non, mais genre, ça je m'en fiche. Jungle entre vue internet et troisième personne. Ah, tu veux que je jongle? Ah, attendez. Ta chaîne. Je lui demande de quoi? C'est 7. Yep. Mais je suis sur Twitch. Oui. Mais je suis sur Twitch. Sur Twitch. TWIT. H. Et c'est une. Comment je peux faire? Tu live sur non sur une autre plateforme. TWITCH. Ça ne veut pas. TW. Yep. Voilà. Ok, bon, du coup, j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse. Du coup, on va aller démolir. Cette punaise de maison.
C'est bon. J'ai compris. Oh, c'est mon contrat, Roma. Oula. Tu es pas live. Chaîne, c'est fan bateau 17. Bon, on va démolir qu'une seule maison parce que bon. Oui, mais là, vie de. Oui, mais la vidéo, elle est pas là. Ben non, elle est là pourtant. Voilà. Là, le lien. Et je peux pas. Attends, on va essayer Twitch. Point TV. Mais t'as un problème. J'ai pas de problème, qu'est-ce que tu me dis? Moi, ça marche. Oh bah c'est bon, on a compris. Bon, on va continuer. On va déjà avoir fait la façade, c'est cool. Bah, il a disparu. Ok, j'ai compris. Ah ouais. Et où le building? Il est encore là-bas. Bon, je vous avoue que c'est légèrement énervant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'énerve. Donc, désolé Romaric Naf, j'ai essayé. Voilà. On a compris.
Du coup, quelle est l'idée? Ok. Je vais voir dans mes jeux si j'ai pas des jeux que je vous ai pas encore montrés et qui seraient sympas à faire. Non, y a pas grand chose. Ouais, j'ai pas grand chose. Donc, bon, j'essaie d'aller voir dans les tendances. Ah bah, plus Romarie. Qu'est-ce qu'il y a dans les tendances? Luxian High School, ouais. Adopt Me, bon, ça c'est pas très. Pas très intéressant. On va voir combien de temps ça dure d'attendre pour un hide and seek. Si ça dure trop longtemps, on ira faire autre chose. Si ça dure pas trop longtemps, on essaiera de faire une game ou deux. Peut-être remettre un peu de son. Ah bah parfait. Alors, où est-ce qu'on va être? Ethan's bedroom, donc la chambre d'Ethan. Et le hider sera. Je pense pas que ce sera moi. Ok, c'est pas moi, c'est un cochon. Non, je rigole. Starting game, c'est parti. Ça me fait un de ces corps de balèze. Alors, j'ai jamais vu ce. Ok. Oups. De se mettre sur le PC. C'est quoi? Je sais pas. A 24 minutes pour se cacher. C'est un lit en hauteur, je crois. Littéralement dans son tiroir. What? What? Oh, ça nous a TP, c'est bien. Par contre, les peluches, elles sont pas très très naturelles. Oh mon dieu, ça donne pas envie d'y aller. Ok, le hider est là-bas. Là, en fait, si je descends, c'est un peu du mission suicide en fait. Ok, bon, il y en a déjà un qui s'est fait choper. Non, je suis en haut de la guitare posée. Je sais pas où il est. Il est là. Est-ce que je vois? Très chaud. On va remonter. Ah bah non, je peux pas. J'aurais bien voulu reprendre le téléporteur, je vous avoue. Mais. Le hider est juste là. Là, il y a un téléporteur ou un bouncer, je sais pas. On va le prendre. C'est un bumper. Ça nous fait avoir max argent. Max de crédit. Zou. Zou. Alors, il y en a là-bas, près d'une peluche qui fait légèrement flipper. J'observe. Oula. Le IT est juste là.
cher. Oh, mais il y a de Hyder. Ah oui. Oui, bah oui, quand t'es trouvé, après tu viens à Hyder, je crois. Attends, donc il y a Baymax là-bas, les amis. Je vais faire gaffe quand même qu'il n'y ait pas de IT qui arrive. C'est Baymax, littéralement. Parce qu'on a pas qu'il va prendre le Bouncer, du coup. Je sais pas. Donc là, je regarde. On va essayer d'avoir le max de crédit en fait. D'accord, si jamais on va s'arrêter à 19h, c'est là, je termine ma partie quoi. À 19h, c'est la dernière partie. Yes, est-ce que je peux? Ouais, ça fait trampoline, c'est bon. On profite d'un petit crédit que j'avais pas vu. On va descendre, on va pas faire le tricheur. Si on se fait Loucat, on va aller là-dedans. Hop là, ni vu ni connu. Ok, bon. Je sais pas si c'est une super question, parce que j'aurais voulu en fait c'est d'aller sur le truc qui est tout en haut. Je sais pas où habiter, je vous avoue. Y a pas un bouncer, quelque chose ou un TP? Je me pose la question parce que je sais pas comment on peut aller. En haut, je pense qu'il y a un TP. Hein. Est-ce qu'on peut remonter une fois qu'on est tombé? Oui, j'ai l'impression, sauf que le IT se rapproche. Dangereusement de moi. Les amis, dernière partie pour aujourd'hui. Alors espérons qu'on fasse pas la chambre. La cuisine! Très bien. Est-ce qu'on va être le hider? Tiens, ce serait cool. Je crois qu'il y a The Gamer. Allez, allez, le hider, le hider. Ah oui, il y a The Gamer. Ah bah non, ce sera pas moi, ce sera Unicorn Chine 209. Je sais pas qui c'est. Starting game. Et on est donc dans la cuisine. L'unité est juste là. Moi, comme j'ai dit, mon but c'est de choper un maximum de crédits. Tout en restant à couvert. Je suppose que si je vais. Là, je crève. Donc. Salut. Ah non, je crève. Mais bon, on va pas prendre de. Je veux dire, on va pas aller prendre le risque. Non, ok, et là, y a rien. Très bien. Que je peux, ouais, c'est bon, je peux grimper. Ah, y a un petit coin dans la cafetière. Or, bonne chance pour savoir comment rentrer dedans. Oh bah non, c'est facile en fait. On va descendre, je propose. Time left to head. Alors ici, bon, y a plus de coin. C'est le stress actuellement. Je sais pas si elle est là. C'est pas elle juste là. Je pense qu'elle est toujours en haut. On va vite aller prendre le bouncer. Je sais pas où aller, je vous avoue du tout. Et ça me stresse légèrement parce que nice. C'est pas un rebondisseur. Alors non, ça attends, unicorn machin là, c'est pas, non ça c'est pas unicorn, okay, donc c'est pas la IT.
Je sais pas où elle est, je vous avoue. Je pense qu'elle est derrière le comptoir. Bon, là, il n'y a rien. Donc, je crois qu'on a chopé toutes les pièces du game. De la game. Non, c'est pas elle en bas. Je ne la vois pas. D'accord. Ok, X, on peut faire bye. Ok. Bon. On va éviter de se griller avec ça, moi je propose. On va pas faire spectate kit. Freestyle, de votre dérision. Freestyle. Vas-y, on va descendre voir si on la voit. Les amis, on fait une sorte de mission suicide aujourd'hui. Bye. Je crois bien que c'est elle. Non, le prénom c'est Unicorn et je ne la vois pas, les amis. Je ne la vois pas. Il y a 340. Ah, elle est là-haut. Bye. Elle est AFK en fait. Bon, dommage, elle est AFK. Ah, allez, on la fait se désintégrer. Bye. Je propose. Elle a perdu. Bye. Ah, en fait, elle est juste AFK. Bye. Bye. Elle est en train de perdre toutes ses parties du corps. Bon. Et ben voilà. J'espère que ce petit live vous aura plu. Merci à tous ceux qui ont été présents. Merci à Romary. Et merci à The Gamer. Et merci à tous ceux qui ont été là pour. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées grâce à Roblox à ma chaîne YouTube. Merci aux personnes aussi qui se sont follow à ma chaîne Twitch. Donc justement, c'est sur du Roblox. Et sinon, je vous dis merci d'avoir regardé ce stream. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous follow à mon... N'hésitez pas à aller vous follow à mon compte Twitch. Allez suivre ma page Facebook, comme ça vous serez prévenu de toutes les prochaines vidéos. Voilà, j'ai tout fini. Donc, merci d'avoir suivi également les Live Minecraft pour ceux qui les ont suivis. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao, ciao!